On va évoquer à présent ce système de défense aérienne dont on parle peut-être un peu moins. Et pourtant, il s'appelle Skynex. C'est allemand. L'Ukraine vient de recevoir son deuxième système avec munitions. C'est le gouvernement allemand qui l'annonce. C'est une sorte de gros pistolet puissant. Vous allez le voir, très précis, très efficace pour abattre les drones. Très prisé, nous dit-on, par les Ukrainiens. Démonstration avec cette communication diffusée par son fabricant, Rheinmetall. Mais oui, c'est ce qu'on disait. Pas mal. En tout cas, ça semble, Marc, plutôt efficace. Mais les canons classiques à grande cadence de tir et à munitions programmables sont très, très efficaces contre ce type de cible. C'est-à-dire que si vous voulez descendre pour un prix raisonnable, hein, encore une fois, pour un prix raisonnable, des drones qui n'évoluent pas forcément très, très vite, donc des drones à hélice, le canon reste une solution absolument redoutable. Et le système Skynex des Allemands, enfin, qui est en fait un système suisse hein, à la base, hein, mais enfin bon, c'est du détail, oui. C'est quelque chose qui en fait fonctionne de manière c'est un système en boucle qu'on appelle, hein, c'est-à-dire que vous détectez les drones au moyen de radars ou de caméras thermiques, vous déterminez la distance entre le canon et le drone et ensuite vous programmez une munition qui est en fait une munition explosive remplie de billes de tungstène et la cadence de tir du canon fait qu'en fait vous, vous opposez au vol de drone une sorte de mur de billes de tungstène sur lequel il vient s'écraser. Voilà. Donc c'est extrêmement, extrêmement efficace. On a le même à la maison, ça s'appelle le Rapid Fire, alors qui n'est pas en 35 mm comme le système Rheinmetall, c'est un système en 40 mm. Et il commence déjà à équiper nos navires de la Marine nationale et notre armée de terre compte l'acquérir dans le cadre d'un système qu'on appelle le système solaire basse-couche et qui sera destiné justement à contrer les drones. Donc oui, le canon, ça reste un système très efficace vis-à-vis de certaines cibles et en particulier les drones. Alors, le petit souci, si j'ose dire, c'est que ce sont des systèmes de défense ponctuels. Ce ne sont pas des systèmes de défense de zone. Pourquoi c'est ponctuel? Tout simplement parce que c'est dû à la portée du canon. Un système comme le Skynet, il a une portée efficace, allez, on va dire 3 km, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez protéger, par exemple, une usine, un barrage ou un point sensible, vous mettez 3-4 canons autour de cette zone et il pourra vous protéger efficacement. Ce n'est pas un système de défense de zone comme peut l'être le Patriot ou le système Mamba français, qui lui permet de créer une bulle de protection de plusieurs dizaines de kilomètres autour de la zone de sécurité. Merci Marc, restez surtout avec nous. Général Chauvency, ça c'est, je voyais rêveur, c'est une prouesse de technologie. Je disais qu'il pouvait en plus tirer 1000 tirs à la minute à peu près, c'était ça. Oui, 1000 obus, enfin 1000 munitions. Oui. Enfin non, mais ça c'est. Nous sommes bien dans la logique aujourd'hui de se protéger contre les drones et qu'on découvre qu'avoir des matériels très coûteux comme on les a conçus jusqu'à présent n'était pas la réponse face à la multitude des drones et les drones en essaim. Et là, effectivement, on a un produit qui va sortir, dont on va s'équiper. Puis ça sort au bon moment parce qu'on a Eurosatory à partir du 17 juin, qui est le grand marché de l'armement terrestre. Je pense qu'effectivement, on va en plus avoir beaucoup d'autres matériels présentés. Et puis Rheinmetall, c'est aussi un des maîtres d'œuvre du futur char franco-allemand. Donc, on a beaucoup de matériel qui sort. Par contre, une question que je me posais, mais je n'ai pas la réponse, peut-être que Marc Chatillon l'avait. Dès lors qu'il y a des licences suisses pour fabriquer cet engin anti-drone, il me semble bien que dans le passé, les Suisses avaient interdit, par exemple, de fournir des munitions pour le Guépard allemand. C'est eux qui les produisaient. Donc, au nom de, justement, de leur neutralité. Mais récemment, hein. Récemment, je crois qu'il y a une votation qui est en cours, où alors là, il n'y aurait plus aucune arme de livrée suisse ou provenant de Suisse ou sous contrat suisse ou licence suisse pour cette guerre ou pour une autre. Donc, Marc, vous avez la réponse. La société Rheinmetall, c'est une société internationale, hein, donc je vais dire pudiquement qu'elle possède une certaine agilité juridique pour savoir réorienter les fabrications. C'est bien dit. Hein. C'est bien dit. C'est à la fois diplomatique. Alors c'est encore expérimental,
Enfin, c'est expérimental. C'est ça fonctionne très bien. Non, mais ça fonctionne très bien. Mais les Ukrainiens vont. Mais il n'y a pas que ça qui fonctionne, les batteries d'essai. On en avoir un, mais. Même de la Seconde Guerre mondiale. Vous en avez déjà eu un, c'est le deuxième qui arrive. Oui, ouais. Oui, mais des batteries de DCA, des mitrailleuses peuvent abattre les drones. Là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, il y a tout un système radar autour, comme un vrai système de défense antiaérienne. Et qu'avec ces munitions qui explosent, elles n'explosent pas d'ailleurs totalement contre les drones, elles explosent avant, elles balancent leurs billes. Et on le voit, là, tous les drones tombent. Ouais. On est sur des petits drones. Qui sont soit des drones d'observation, donc c'est intéressant de les descendre parce que si on observe, c'est que derrière on veut faire quelque chose, soit peuvent porter une charge type une grenade, un obus pas trop lourd, et effectivement c'est extrêmement efficace. Il faut multiplier ce genre de drone qui fait des ravages. Là on est en 35 mm, mais une 12-7 comme on avait en défense contre les avions. Oui, mais la 12-7, il n'y a pas de moyen électronique. Non, il n'y a pas de moyen électronique, mais en fait, comme là, si on a un essaim de drone, on peut en toucher quand même pas. Les Ukrainiens le font de manière assez régulière. En revanche, ce qui va se passer sans doute, c'est la cadence de tir qui est importante. On va avoir des unités spécialisées dans la lutte anti-drone à équiper de ces engins-là. Donc on va aussi transformer sans doute la structure des unités militaires, parce que ce n'est pas trois engins qu'on met comme ci, comme ça. Non, c'est des unités spécialisées et qui vont accompagner les troupes. Il y a une arme contre chaque drone, c'est aussi ça la difficulté. On parle de basse couche, de moyenne couche, de couche haute. Là, on est plutôt dans les missiles. Mais à chaque fois, il faut avoir la bonne arme et quelque chose qui ne coûte pas trop cher, parce qu'effectivement. Dépenser des millions pour abattre un drone à 100 000 dollars, ça vaut pas le coup. Alors, notre chef d'édition en voudrait un, certainement pour Noël, donc il demande combien ça vaut. Quoi ? Ce petit bijou là. Ah bah là, ils l'ont pas dit. Mais... Marc Chassillon, vous avez le. Pour deux unités, une fourchette de prix. 190 millions d'euros, je crois, les deux. Alors, tout dépend de la composition du système, mais généralement, une batterie Skynex, vous avez entre 4 et 6 canons qui sont montés sur des camions, sur des plateaux. Vous avez une unité centrale, un poste de commandement, et puis un ensemble de radars. C'est à peu près 150 millions d'euros la batterie, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Bon, ben voilà, il va pouvoir faire ses économies. J'étais un peu plus cher que Marc. Désolé. Allez, on en vient à une vidéo qui commence à devenir virale sur les chaînes Telegram ukrainiennes. Là encore, c'est le porte-parole de l'armée de l'air, Ilya Yevlach, qui communique beaucoup en ce moment. Il a pris la parole ces dernières heures à la télé ukrainienne pour nous dire quoi ? Pour nous donner si j'ose dire, une estimation quant à l'arrivée des premiers F-16. Et si tout allait maintenant très vite ? Écoutons-le. Les premiers F-16 devraient arriver après le 5 mai. Notre tâche sera de travailler avec ce qui nous sera donné. Nous n'avons pas la responsabilité de la livraison. C'est une question qui revient à nos hauts responsables militaires et politiques. Mais quand ils arriveront en Ukraine, nous vous en parlerons plus en détail. Alors, on va y revenir. Il dit avant Pâques, enfin juste après Pâques, aux alentours du 5 mai, Pâques orthodoxe. Prenons donc des nouvelles de ces pilotes ukrainiens et on va en reparler de cette arrivée des F-16. Ils se forment actuellement sur les F-16, ces pilotes. On a pris un exemple au Danemark, puisque l'OTAN communique sur leur entraînement. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de parler des difficultés de ces pilotes très jeunes, souvent inexpérimentés. On vous en parlait la semaine dernière. Eh bien, rêvons un peu avec l'OTAN qui décide de couper court en nous montrant ce clip ce matin. Regardez. C'est vraiment un avion très amusant à piloter. Je ne dis pas que le MiG que j'ai piloté auparavant est super ennuyeux, mais le F-16 est définitivement plus agile. Il se déplace facilement. Dès que vous voulez faire quelque chose, il tourne. Il a été mis à jour plusieurs fois et tel qu'il est ici, c'est un avion très très moderne. Il est compétitif par rapport aux meilleurs chasseurs occidentaux et je suis sûr que l'armée de l'air ukrainienne en bénéficiera. Alors, Marc Chassillon, c'est un peu l'arlésienne, le F-16. On apprenait la semaine dernière que les pilotes ukrainiens ne seraient pas prêts avant Noël, mais que les appareils pourraient arriver. Hier, on a consacré toute une page à ces hangars qui pourraient être construits en sous-sol pour pouvoir protéger les avions, les stocker, leur permettre de combattre, mais surtout de les garder intacts avant l'arrivée des pilotes. On en est où, vous y croyez, ou on est encore dans de la com pure ? Alors, ça fait quand même maintenant quelques mois qu'on traite du sujet, me semble-t-il, sur cette antenne. Nous ne cessons de répéter que la partie livraison des F-16 et formation des pilotes, c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, c'est
colossal, puisque ça concerne toute la logistique. Il va falloir que l'armée ukrainienne se convertisse à tout ce que l'on appelle les standards OTAN. Et Dieu sait qu'il faut se les coltiner, pardonnez-moi l'expression. Il faut rassembler des quantités phénoménales de pièces de rechange. Il faut des armements, puisque je rappelle que les F-16 sont capables de mettre en œuvre un certain nombre d'armements, mais comme les pays qui cèdent les F-16 récupèrent des F-35 et que le F-35 bouffe la totalité des budgets d'acquisition, c'est clair que ces pays n'ont pas fait un grand effort ces dernières années, à la fois pour regarnir les étagères de pièces de rechange et pour acheter les armements qui vont sous les F-16. Donc il faut trouver les armements. Et puis vous avez toute la partie de formation des maintenanciers, des mécaniciens, des électroniciens, de tout le personnel au sol. C'est ça que j'appelle la partie immergée de l'iceberg. Et c'est celle dont on ne parle absolument jamais, mais en fait c'est celle qui est totalement dimensionnante. Après, effectivement, les Ukrainiens n'ont certainement pas envie de se voir taper les F-16, pas plutôt les roues collées sur les pistes d'Ukraine, parce que évidemment pour les Russes, ce serait d'un point de vue médiatique et communication un régal absolu que d'aller fracasser les F-16 une fois qu'ils sont au parking. Bon, donc ça signifie qu'ils doivent réorganiser leur base pour camoufler les F-16, pour les protéger. Tout ceci coûte cher, tout ceci prend du temps, et c'est, me semble-t-il, une des raisons pour lesquelles ces F-16 tant attendus ne sont toujours pas arrivés. Mais comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai pas plus d'informations que vous sur l'arrivée possible ou probable de ces F-16. Mais encore une fois, je répète, l'arrivée des F-16 ne changera pas grand-chose si les conditions d'emploi restent aussi restrictives que celles des armes à longue portée.